Alors aujourd'hui c'est le festival rustique. Il va y avoir de la fresque à la bombe de peinture, à la craie, au pinceau, du collage. Il va y avoir plein de choses. Bonjour. Alors le principe c'est que j'ai invité une soixantaine d'artistes. Pour la plupart des street artistes, donc spécialisés dans le graffiti ou spécialisés dans le collage ou le pochoir ou la photo et plein de choses comme ça qui viennent peindre ou coller leurs créations sur les murs. Donc on va faire découvrir tout ça au grand public, que ce soit des gens qui connaissent un petit peu les artistes ou du coup des gens qui veulent découvrir ou même des passants de plutôt qui viennent juste voir ce qui se passe. C'est beau plutôt. Bien. On n'a pas de calanque à Paris. Il n'y a pas de calanque à Paris. Sur le pavé de la mairie, il y a deux groupes de graffeurs qui créent en même temps. Ils me demandaient s'ils n'avaient pas des gommes. Eh non, ça reste comme ça, c'est direct. Tu as choisi un thème particulier? Non, ça viendra au fur et à mesure. J'aime bien quand ça circule, voilà. D'accord. Les formes arrondies et tout ça. Merci. Là, c'est le parvis de la mairie. Salut. Pour remonter, vous avez fait la culture. Le gros bâtiment, vous voyez là. Pour sous-sol, vous avez l'exposition collective de tous les artistes qui sont ici. On a une soixantaine de peintures, donc de tout type de format. C'est pour montrer aussi que les street artistes créent dans la rue, mais aussi ont des ateliers où ils peuvent proposer aussi leur savoir-faire sur d'autres supports mobiles. Et donc s'exposer et montrer aussi qu'ils ont pas mal de cordes à leur arc. Donc il y a de la sérigraphie, des choses qui ont été faites à l'ordinateur et ensuite imprimées. Il y a JB aussi qui fait de la peinture acrylique et de la peinture à l'huile. On a aussi du light painting, on a installé une tente énorme pour que Hati puisse faire des portraits des gens qui viennent justement et repartent avec une photo customisée avec de la lumière. La light painting, c'est le corps en pose longue, un peu comme les traits lumineuses qu'on voit sur les photos de rue, enfin de grandes villes et tout ça. Sauf que là en fait on utilise des lampes torches pour dessiner en fait dans l'espace. Là, on a l'entrée du cinéma. On a un mix de réalisation vidéo sur les street art et sur ces acteurs du street art. Donc là, par exemple, on a une vidéo d'un groupe qui s'appelle les Color Circus lors d'une session de peinture à Belleville. Thank you.
Alors maintenant, on va réunir tous les artistes pour le collage collectif. La base vraiment de Rustic, c'est le collage collectif. Donc là, on va vraiment être à la performance la plus importante du week-end. On va y aller ? Mon nom d'artiste, c'est JPM Graffiti. Je suis venue coller des miroirs en fait avec un travail au pochoir et donc voilà, c'est un peu improvisé parce que je suis pas prévue sur le listing. Je suis une petite pièce rajoutée. Qu'est-ce qui t'attire ? Dans le street art, c'est le côté participatif. C'est l'art de rue, c'est les artistes qui se mélangent dans la foule, c'est complètement varié, c'est complètement ouvert, donc voilà, c'est surtout ça que je voulais. Là, c'est une énorme fresque de 10 mètres sur 6 au graffiti avec des graffeurs qui viennent du sud, là, BIM CRM, Red One qui est d'Île-de-France, et l'Arc Elixir qui est je ne sais pas où, de Normandie. C'est vrai que c'est la première fois qu'on prend le temps de poser un truc. De prendre le temps de faire quelque chose de bien. Bravo.